Je m'appelle Dubo, j'ai 15 ans, je suis de nationalité camerounaise et je suis une fille Mboro. In Cameroen is het leven extra moeilijk voor Bororo-meisjes. Ze hebben het twee keer zo zwaar. A, ze zijn meisje en B, ze hebben een ander geloof. Ze zijn moslim. Gelukkig bestaat er een organisatie als Plan die voor hen opkomt. En daardoor kan Djibo nu wel naar school. C'est comme un rêve dans ma vie. Non, je n'ai pas envie de dépendre même ma tante qui m'a élevée là. Dès que tu vas m'aller là-bas, je veux être responsable de moi-même. J'ai envie de travailler, être une fille exemplaire dans la vie. Toi-même, tu dois aller payer la pénitence. Djibo weet van aanpakken. Ze heeft nu een eigen bedrijfje en verdient haar geld met de verkoop van zelfgemaakt vruchtensap. Ze doet dat samen met haar vrienden, met wie ze ook inkopen doet op de markt. Pour vous dire pourquoi on a commencé avec les fruits, les jus, parce qu'on a vu que il y a pas quelque chose qui peut marcher vite. Les autres là, c'est trop dur, il faut dépenser l'argent, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais ça là, ça ne prend pas trop de dépenses et tu réussis dans ta vie avec ça peut-être. Plan hielp Djibo aan een klein startkapitaal en coacht haar bij de groei van het bedrijf. Ze zijn echte ondernemers. Ze weten precies hoeveel sap je moet persen om winst te maken. De verkoop laten ze over aan hun broers en vrienden. Maar wat ik nou echt zo goed vind, ze stoppen de opbrengsten niet alleen in hun eigen zak. Ze gaan ook schoolgeld betalen voor kinderen die nu nog niet naar school kunnen. En plus, si le projet marche, bon, c'est pas seulement nous qui devons rester avec les bienfaits. Donc, quand si ça marche, là, on va aussi aider les autres enfants qui n'ont pas. On va aussi l'aider avec cet argent. C'est pareil qu'on va le faire ici là. Si c'est pour ça là, non, il faut compter sur nous. On va le faire. Non? C'est promis.